Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un petit numéro un peu spécial. En fait, ma fille m'a demandé de lui faire un petit design en fait à partir d'un de ses dessins et en fait de lui presser sur un t-shirt ou un textile en tout cas. On verra, ce sera peut-être un pull à capuche d'après ce que j'ai compris. Mais bon, donc elle m'a donné un dessin qu'elle a fait de son nom. Voilà. Et à partir de ça, en fait, je lui ai déjà commencé quelque chose. Le truc, c'est que j'ai fait une erreur, j'ai oublié le L dans le dessin. Donc j'ai déjà travaillé sur le dessin, j'avais déjà fait une vidéo, mais voilà, je reprends tout, on va dire, pour corriger ça. Donc, vous allez voir un petit peu en fait comment je vais traiter ce dessin, je vais le vectoriser, je vais rajouter ma petite touche personnelle, et après on pressera la chose, donc il y aura toutes les étapes. C'est comme la vidéo que j'avais fait avec le t-shirt de Jujitsu, ce sera le même principe, sauf que là, c'est un dessin de ma fille. Donc on passe tout de suite sur Illustrator et vous allez voir le dessin que j'ai fait. Et donc également l'erreur. Alors, je vais agrandir au max, je vais travailler dessus. Je pense qu'une grande partie de ce travail-là va être en accéléré. Je vais me rester comme ça dans le coin. Je pense que voilà, je vais mettre la vidéo en accéléré parce que c'est assez laborieux. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure et profitez bien. Bon, j'ai harmonisé un petit peu plus les lettres. Je vais encore retravailler un petit peu ça pour justement en fait mettre des blancs qui soient coupés correctement ici, comme sur le dessin en fait. Je vais faire ces petites corrections au niveau des lettres. J'ai harmonisé le lettrage vu qu'en fait le CS était un petit peu, on va dire, disproportionné sur certaines lettres. Donc j'ai reproportionné les choses. Et le truc, c'est que ici normalement, il est censé avoir le L et j'ai oublié de le mettre. Donc je vais refaire le dessin. Simplement, enfin je veux dire, je vais le corriger, je vais rajouter le L ici comme elle l'avait fait à peu près hein. Je veux dire, là, de toute façon moi je vais le faire à la même hauteur que le I et donc je vais devoir regérer l'espace à cet endroit-là. C'est parti. Alors pour cela je vais déjà dissocier les éléments pour que je puisse juste prendre ce dont j'ai besoin. Voilà, déjà le A isolé. Je vais laisser l'étoile, je vais surtout bouger les lettres, hop. Surtout ces deux lettres-là. Et les décaler. Voilà, bon, j'ai peut-être un peu exagéré sur la taille, mais bon, c'est pas grave, ça va me laisser l'opportunité de replacer le L. Donc là, je vais dupliquer le I tout simplement. Hop. Et je vais l'agrandir pour le faire monter jusqu'à hauteur du haut du i. Et là, en fait, je vais refaire une découpe. Ce qui est dommage, c'est que là, ça va couper un petit peu, je vais dire là, sur la partie blanche là. Il va y avoir l'espace négatif va manger en fait dans le demi-cercle. Ça va arriver à peu près là. Il y aura du blanc.
On va voir ce que ça fait. Remarque, je suis peut-être pas obligé de laisser le... Ah si, on a l'impression que c'est un T. Quoique là, déjà ça va disparaître. Que normalement... Quoique... Ça disparaît pas, en fait ça se prolonge jusqu'au A. Donc bah là, je prends les deux points et on les emmène jusqu'au A. Voilà, ça a l'air d'être à bonne distance. Bon là maintenant, là ici ça déborde. Tiens, c'est marrant, tiens, ça. Hop. C'est pas grave. Hop, on va le faire dégager juste le petit bout. Hop. Alors ouais, j'aime bien dire hop. J'aime bien dire en fait tout le temps. C'est énervant. Je m'excuse de par avance. Donc là c'est bon, c'est corrigé. Donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour les autres. Je vais tout simplement en fait mettre un contour. En blanc c'est mieux. Hein. Hop là, voilà. Contour en blanc, contour extérieur. Et par contre, ben lui, disposition, on va le mettre en premier plan. Voilà. J'avais mis 6 normalement. Voilà. 6 points de contour. Donc bah au final bah ça va, ça mange pas trop. Qu'est-ce que ça fait? C'est plutôt pas mal. Ah ouais là c'est vrai, là j'ai poussé en fait la barre alors qu'il va falloir que ici je ramène encore les lettres. Il y a un peu trop d'espace. Donc là je regarde quand même ici, l'espace a l'air un petit peu plus serré. Il faut que je rapproche encore un peu le L. Voilà, faut pas non plus que je mette des espaces qui ne soient pas proportionnel. Donc là oui ça coupe, mais au final ça passe, ça va. Ah c'est pas gentil ça, il veut pas me sortir il veut pas. Ah quand même, voilà, ben voilà, c'est bon. Donc on va cacher, ça sert à rien. Hop, les règles, j'avais ouais. Là, on va masquer les repères, ça sert à rien de les sortir. Donc là, voici, là, on est bon. Alors, je disais, donc là, je vais rapprocher tout ce que j'ai éloigné au début. Pif, paf, ouf, plouf. Et je reviens le mettre à bonne distance. C'est légèrement trop près. Voilà, faut dire que le A en fait hein, je veux dire son interlettrage là, étant donné que c'est une lettre qui part en oblique, faut pas non plus que je lui laisse un espace trop grand. Tiens c'est marrant, tiens je t'ai pas sélectionné sur le moment, vas-y reviens. Là, je vais mettre un repère justement. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre, il m'affiche des lignes, des points. C'est quoi ça? Hop, bouge. Donc, je disais, voilà, je vais rajouter justement ici un repère pour voir si je suis bien aligné entre le bas et le haut. Ça va s'aligner par rapport au haut parce que c'est ce que j'ai déplacé en premier. Je l'ai un peu impeccable. Voilà. Ouais, mais il faut quand même que j'avance tout. Ça. J'avance quand même un petit peu là. Donc là, forcément, il faudrait aussi que je bouge cette partie-là qui est complètement collée à la flèche. La flèche, par contre, je la bouge pas. Je la laisse où elle est. Là, il faut encore que je corrige la partie ici. Tiens, toi aussi, j'ai oublié de te bouger. Voilà, ça va, je suis bien aligné. L'interlettrage a l'air correct. Voilà, ici, c'est légèrement plus serré, mais bon, comme j'ai dit, c'est à cause des obliques du A.
Ça me paraît correct, impec. La règle est calée. Donc là, allez, on repart pour corriger ça. Voilà, le dessin donc bah, est prêt. Là, je vais donc ouvrir le logiciel de Silhouette pour bah, le travailler, le préparer. Donc je disais, maintenant, ça y est, hein, j'ai retravaillé le dessin, j'ai corrigé mon erreur et donc on repasse à la découpe avec le plotter. Là, ce sera du flex noir et puis voilà quoi. Hein, ce sera sur un sweat à capuche beige. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, une silhouette. Donc là, ça y est, j'ai calé mon flex. Je vais le miroiter horizontalement parce qu'il faut toujours en fait ne pas oublier cette partie-là, c'est-à-dire le miroitement, de mettre en fait à l'inverse, quoi, d'inverser le dessin. Parce qu'en fait, bah, ça va être découpé à l'envers le flex. Et si en fait vous le laissez à l'endroit, bah, vous aurez un dessin à l'envers sur le t-shirt. Bon, on est calé. On va passer bah, à la découpe du flex. Donc bah, c'est bien, le matos est déjà là. Je vous dis à tout à l'heure, le temps que quand même je rebranche le plotter, que je sors le flex, que je découpe, bref, que je fasse tout mon tralala. Je fais tourner avec la caméra derrière. Coucou la famille, c'est parti. Flex, blabla, truc mûche, allez on y va. Bon, je laisse pour l'instant un peu l'espace avant de brancher, je vais avoir besoin de découper le flex. Ok, c'est reparti. Donc on regarde si tout est ok. Là, il est prêt à découper. Alors je vais augmenter un petit peu la vitesse.
Voilà, on va enregistrer. Ouais, je vais mettre 8, ça devrait aller. Force 5, c'est bon. Et l'aiguille est à 7. Le dessin est calé. Ah, j'ai pas encore calé le flex. C'est parti, on lance. Bingo! Ça fait un peu de bruit, quoi. Bon, bah, toujours en attendant, avant que ça se termine, un petit coup de pub pour mes frérots. Adamson, casquette, t-shirt. Sur internet, vous pouvez aller sur Adamson Corp. Le site internet est ouvert et vous verrez, il y a des petits trucs super sympas. Et aussi, le frère Jeff fait des. Il s'appelle Younes, mais en fait, son compte, c'est Jeff Graphiste. Il fait des super t-shirts. Ça tourne autour du domaine sportif. Et la marque, c'est Combo. Made for Champs. Oh, punaise, mon anglais. Made for Champs. Ok, c'est fait pour les champions, quoi. Ok, donc n'hésitez pas. Aussi, il a une page Insta, Facebook. Et il y a également un site sur lequel vous pouvez acheter des t-shirts. Ils sont vraiment très bonne qualité et pas trop cher. Et pareil pour Adem, des super casquettes, des super t-shirts. Et c'est fini, donc on y retourne. Allez-y, les frérots. Vous allez voir, c'est super sympa. Allez, étape suivante, on va dépiauter le flex. Donc moi j'utilise des pinces à épiler banales. Toute personne utilise des trucs plus pro, hein, des grandes pinces comme ça pointues. Ça a l'air d'être très agréable de travailler avec. D'autres utilisent des cutters. Cutters, ça ne me donne pas trop envie. Donc je fais exprès de couper en fait autour. Pour ça à la rigueur, quoi. Je veux dire, si je m'amuse à le dépiauter, ça perdrait du temps. Et en même temps, je peux toujours me servir de ça en fait pour faire autre chose. Pareil ici, je peux couper les angles. Ça m'évitera de devoir dépiauter ça aussi. Voilà. Parti pour la dépiaute. En général, on choisit un angle. Voilà, on va pouvoir passer à l'impression. On remet la presse en route.
Donc là maintenant, on va attendre que la presse prenne la bonne température, 155 degrés. Après le pressage, je ferai une 35-40 secondes. J'ai enregistré 35 secondes, mais je vais laisser 40 secondes. C'est pas trop grave, 5 secondes de plus. Et puis voilà quoi. On en profite. Et je vais caler le pull là. Donc voici le pull. Voilà, c'est un pull à capuche. Beige. Là, ça se voit pas trop, hein, mais il est beige en fait. Donc le noir passera très bien. Le calage, moi je le fais sans règle, j'ai pris cette habitude, je le fais au feeling entre guillemets, je dis entre guillemets parce que bon bah, je me sers quand même, c'est le col qui va me donner en fait le centre. Et en fait en tirant un petit peu là comme ça, là je vois si l'espace ici est le même que là. Voilà. Et ici aussi en plaçant mes doigts en dessous. Je sais pas, je ressens en fait si vraiment j'ai la même quantité de tissu sur le doigt des deux côtés. Voilà. C'est relativement bien calé. On va repasser un petit peu le... avant pressage, bon, on le repasse un petit peu pour bien le rendre lisse, rendre le linge lisse. Là, la température est encore bonne et j'ai remarqué que il faut que je descende. Voilà, faut sentir un peu de pression quand même quand vous descendez là pour que ça écrase bien le tissu. Voilà, là c'est un peu clair. Ok. On va utiliser du papier sulfurisé, c'est un du papier qu'on utilise même pour la cuisson hein, en cuisine. Pour en fait mettre après, on a le pull, on a le dessin, et après on met ça pour éviter en fait que ça brûle le plastique qui fonde en fait. Ça va protéger le plastique du flex, c'est-à-dire ça va protéger cette zone-là, quoi. Voilà, donc on achète ça en supermarché, hein, celui qu'on vend au supermarché est largement suffisant. Les rouleaux sont pas très chers, il faut prendre les grandes tailles à la rigueur, ceux qui font 40 cm de long. Et après voilà quoi, et les feuilles sont réutilisables pas mal de fois. Quand elles commencent à trop jaunir, par contre, c'est mieux de les changer. Hop là, alors pareil, le calage c'est au feeling. C'est au ressenti. Je regarde le haut de mon col, je regarde à peu près la largeur de mon dessin. Pour voir si je suis bien calé. Alors le problème, hein. C'est de faire attention à la verticalité et à l'horizontalité. Et aussi bien sûr à la hauteur. Donc là je pense que c'est bon, on ne va pas le faire trop bas non plus. Je peux même le monter à l'arrière un tout petit peu histoire d'eau, comme ça il y aura la bulle là, qui sera à peu près au niveau de je sais pas, enfin je veux dire là, de la glotte entre guillemets. Bon, ça, je dis n'importe quoi moi. Ça me paraît correct. Voilà. Encore quelques degrés et on sera au top. On va pouvoir presser.
C'est parti pour une trentaine de secondes, 35 secondes, 40 secondes. Je vais laisser sonner un petit peu, histoire d'être sûr que ça prenne bien. Et après, ben, faudra retirer le film plastique à température tiède. Ni trop chaud, ni trop froid. Trop chaud, en fait, la colle risque de s'en aller directement, donc ça va partir. Et trop froid, ça va être très dur à retirer. Et ça risque en fait d'abîmer les bords, les bords des lettres, les bords du dessin, quoi. Donc il faut vraiment faire ça à tiède. Voilà, on laisse sonner un petit peu. Et on y va. Je vais secouer pour faire refroidir un petit peu. Voilà. On va pouvoir retirer. Un petit peu chaud. Allez, c'est parti. Impeccable. Excuse-moi, caméra. Impeccable. Hop là. Donc le rendu est plutôt pas mal. Hop là. Voilà. Donc bah, j'ai modifié le petit triangle en bas, j'ai rajouté ma lettre, et voilà. Bah, maintenant je vais lui faire voir, elle a déjà vu une fois, donc elle sera moins surprise. Mais bon, là elle sera contente de voir que au moins le nom est correctement écrit. Voilà, maintenant on va l'appeler. Allez, entre. C'est bon? Ouais, ce coup-ci c'est bon. Tiens. Version beige. Oh, je te jure, la vie, c'est trop beau. Bon, là, ce coup-ci, il y a le L. Ouais. J'ai modifié là aussi le triangle à la largeur. Je l'ai fait en contour pour que ça allège un petit peu le dessin. Je trouve que c'est plus beau avec le beige là et le noir là. Bon bah tant mieux. Ah, j'aime trop. Ça me va bien? Ouais. Tu peux toi. Ça va, c'est bien centré. Ouais, c'est joli. Bon, ça te plaît au moins? Ouais, je trouve que c'est meilleur que le sur le pull noir. Ok. Je te jure. Bon bah je kiffe trop. Bon. Merci. Bon, ça y est, enfin, mission accomplie. J'ai réussi à faire quelque chose d'intéressant avec ce qu'elle m'a donné. Quelque chose qui lui plaît. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu ce genre de contenu. Et je pense que la deuxième va me demander aussi de faire quelque chose à partir de son dessin. Donc, il y aura un épisode 2. Et donc, on verra ce qu'on fera à partir de ce qu'elle va me donner. Et on verra sur quoi on va imprimer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Allez voir sur mes réseaux ce que je fais, que ce soit dans mon domaine de graphisme ou alors avec ma marque. N'oubliez pas, Combo, Adamson. Et donc, je vais vous saouler comme tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon Facebook. Et suivez un petit peu les actus. Bientôt, il y aura du fresh. Je vais travailler un peu sur Nervous Fox et il va y avoir des nouveaux produits qui vont claquer méchant. Portez-vous bien en attendant et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.